Hello tout le monde, j'espère que vous portez bien, moi ça va super bien. Je viens d'acheter, enfin il y a quelques jours, j'ai été chercher mon nouveau jeu pour la Play, qui n'est autre que The Last of Us Partie 2, qui a l'air d'être une méga tuerie. Sans oublier que malheureusement, il est interdit au moins de 18 ans. Et ouais. Mais bon, donc on va commencer ce nouvel opus. Sans oublier que vous pouvez aussi acheter... Voilà, l'artbook officiel de The Last of Us Partie 2. Donc, je l'ai juste feuilleté comme ça, en gros, pour voir. Il est vraiment magnifique. Alors, petit détail de ce nouveau jeu. Il faut au minimum 95 Go de disque libre. Sinon, on ne pourrait pas le mettre, parce qu'il est sur deux disques. Hein. Évidemment, on ne va pas traîner. On va commencer ceci. Mais avant de commencer cela, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir quand je mets les nouvelles vidéos de ce jeu. Et puis bah allez, c'est parti. Interactive Entertainment présente Naughty Dog. Bon bah on va y attaquer sec, hein. On va regarder ce que ça vaut ce nouveau petit jeu. Nouvelle partie, vas-y, oh c'est chouette en tout cas. Ah, ça charge un petit peu. Oh. Je sais pas ce qui m'a pris. On a traversé la moitié du pays ensemble. Elle voulait donner un sens à son immunité. Peut-être que j'ai fini par croire à cette histoire d'Hermède. Peut-être que je faisais ça pour son bien. Et puis on est arrivé. Des flashbacks du premier. Grâce à elle, ils allaient enfin pouvoir faire ce remède. Que de bons souvenirs du premier. Le seul problème, c'est que ça l'aurait tué. Et nous, on les a fumés. C'est pas vrai. Docteur ! Qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne pouvez pas la prendre. C'est notre avenir qui se joue ici. Pensez à toutes ces vies qu'on pourra sauver. Putain de merde, Joël. Qu'est-ce que t'as foutu ? On les a désingués. Je l'ai sauvé. Ah ouais. Ox, que de souvenirs. Que c'était bon. Allez, Ellie. Bloquez les sorties! On lâche pas! Bordel. Ça c'est... Quel merdier. Ellie est au courant. Je lui ai dit qu'ils avaient fait des tests. Je lui ai dit que... son immunité servait à rien. Et elle y a cru d'après toi ? Elle n'a jamais dit le contraire. On devrait y retourner.
Elle a quand même pris un petit coup de vieux, hein, notre cher Joël. Mais pas grand chose encore. Oh là là, c'est joli, c'est grave. Je me souviens qu'on avait des flingues, là on a une guitare dans le dos, mais bon, ça va changer, hein. Bon bah je crois que cette fois c'est vraiment parti, on va vraiment se lancer dans cette nouvelle aventure. Bon pour l'instant, si on a un petit bouton là pour faire quelques petits zooms sur L, c'est L2, ouais, ouais L2. En tout cas, le paysage, il n'y a rien à redire. C'est beau, c'est propre. Et si on veut galoper, il nous suffit d'appuyer sur L1. Voilà. Ah, c'est pas mal. On va quand même suivre Tommy gentiment, je pense. Il y a une distance. Non, mais je suis pas d'accord. Allez hop. Et X pour sauter les petits obstacles. Ok. Ça devrait pas être trop compliqué. Non mais c'est, franchement il est de toute beauté. Je suis vraiment content de l'avoir acheté. Il a passé où? Ah là. Tommy, enfin ça a l'air d'avoir un petit peu changé. Allez, Udada, en avant. Je m'en occupe. Vas-y. D'accord. Et pour ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je crois bien que j'aurais fait exactement pareil. Donc, Motus et bouche cousue. J'emporterai ton secret dans la tombe. C'est ce que je viens de dire. C'est bien mon grand. M'étonne qu'elle entend rien avec les écouteurs sur les oreilles. Allez.
vache. Tu m'as foutu une de ces trouilles. J'ai frappé à la porte. Salut. Salut. Tu voulais quelque chose ? Rien de spécial. Tu sais... Tout le monde est très impressionné par toi. Par la façon... dont tu sais... te rendre utile. C'est cool. Ouais. Avec Tommy, on s'est baladé l'autre jour et... Il m'a raconté une blague et j'ai pensé à toi. C'est... Ah, j'ai dû oublier. C'était une histoire d'horloge. Quelle est... Joël, écoute, il est super tard et je dois me lever tôt demain matin. Ouais, c'est vrai, je sais. Je vais pas te déranger longtemps. C'est juste que... Je voudrais te montrer un truc. Donne-moi juste une seconde. Surprise, surprise. Qu'est-ce que c'est? Par ici, les gens appellent ça une guitare. Tu m'étonnes. Je peux te jouer quelque chose? Ok. Super. Tu me promets... que tu vas pas te moquer de moi. C'est promis. Je te le jure. Je compte sur toi. Oh, c'est à nous. Alors, utilise L pour choisir un accord. Donc le joystick L. Ok, en bas gauche. On peut monter, ok. Puis après, on fait comment pour jouer? Ah, sur le pad tactile, ok. On fait comme si on grattait dessus. Bon, alors c'est parti. Hein. Ah, merde, loupé, mauvais. Je suis un guitariste dans l'âme. I can see our future days, days of you and me. Et voilà, c'est tout. Eh ben. T'es pas si mal. Ouais, pas trop mauvais, je suis, hein. Je prends ça comme un compliment. Elle est pour toi. Où? Oh, non. Non, je saurais même pas je comment t'ai la tenir. Que je t'apprendrai à en jouer. Qu'est-ce que tu dirais d'une première leçon demain soir? Vendu. Ok.
Ok. Est-ce que... la blague t'est revenue ? Tu sais quel est le comble pour une horloge ? C'est de devoir tuer le temps. Oh, c'est mauvais. Oh, que c'est mauvais. C'est vraiment débile. Ouais. Allez, dors bien. The Last of Us Part 2. C'est parti. Cette fois, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, j'espère. Ouais, 4 ans plus tard. Ah, tiens. Oh, merde. Oh, chier. Salut. Bonjour. Désolé, j'ai dormi trop longtemps. Je m'habille et j'arrive dans une minute. Il paraît que t'as passé une drôle de soirée. Je... elle m'a embrassée. Tu connais Dina, tu sais comment elle est. Ça voulait rien dire du tout. Je parlais de ton engueulade avec Seth. Attends... t'as embrassé Dina ? Ah. Ah. Je croyais... on est séparés depuis une semaine et tu bécotes mon ex ? Non. Elle voulait peut-être juste te rendre jaloux. Moi, je voulais pas... oh, putain, c'est trop gênant. Tu vois pas que je te fais marcher. Je m'en fous, ça va. Va t'habiller. Oh, t'es qu'un con. Hé hey. C'était quand même pas très cool. Oh. Dépêche-toi, on est en retard. Bon. Ça pue pas. Voyons voir, on va commencer un petit peu à tourner. Ah, tiens. Ok. Qu'est-ce qu'on a de bon ? La veste, voyons voir, quoi d'autre ? Le flingue, évidemment, sinon c'est pas rigolo. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, le jour, un petit journal. Allez, un petit tour du proprio. Dans les chiottes, il n'y a pas grand-chose, je pense. Voilà, ça c'est fait. Après, vers le canapé non plus, on n'a rien. Après, là non plus. Ah, 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 si, là on a un petit truc, qu'est-ce que c'est ? Tu vas les réveiller ? Ah, évidemment, un couteau. Ça craint. Ouais, ils n'ont pas vu beaucoup dormir. Pas autant que toi, en tout cas. Arrête. J'allais justement me lever. Mm-hmm. Si, je te jure. T'as tout ce qu'il faut ? Ouais. Alors, bon, on va suivre notre petit copain. Je te copain, préviens, tout le monde parle de toi ce matin. Ah, pourquoi ? Ok, petit résumé. T'as embrassé Dina. C'est elle qui m'a embrassé. Ce qui a conduit Seth à te traiter d'un truc pas sympa. Ouais. Ah. Ensuite, Joël l'a frappé. Il l'a juste poussé. Et puis tu t'es énervé contre Joël. J'ai pas compris ça. C'était une soirée bizarre, Jesse. Plutôt mouvementée. Maria veut te parler. Elle s'est bien amusée. Elle est où ? Au resto. C'est à propos de Seth ? Aucune idée. Dis-lui que tu m'as pas vu. Désolé. Bah, allez hop, on ouvre le petit portail pour aller voir Maria, je suppose. Donc, tu m'en veux pas, hein ? Toi ? Non, pas du tout. Dina et moi, c'est du passé. Je sais, mais je veux pas que tu penses. Ellie, tout va bien. C'est promis. En tout cas, franchement, merci. La petite ville, là, elle est vraiment chouette. Regardez-moi ces petits décors. Plein hiver, mais on dirait du Far West, en fait.
C'est totalement ça en fait. Château d'eau en face. Un petit chien. Coucou. On peut le caresser? Ouais. Salut mon vieux. Oui, ça fait du bien. Salut Jesse. Oh, salut. Bon, je peux pas travailler tout droit, donc c'est où? Là-dedans? Ah ouais, ouais. T'as envie d'un petit déj? Non. Où est Maria? Derrière. Pardon. Ellie, viens, je t'attendais. Ah merde, ça sent les embrouilles ça encore. Cette voudrait te dire quelque chose. J'ai aucune envie de discuter avec un fanatique. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Oh, d'accord. Seth. Seth, viens là. Oh, au secours. Salut. Écoute, hier soir, j'avais un peu bu. Ouais. J'essaie juste de m'excuser. Maria m'a dit que tu partais en patrouille avec Dina. Ben, j'ai préparé des sandwichs. Des sandwichs? Miam. À la viande. Merci, Seth. Ouais. Bon. Soyez prudente. Ouais. Je te remercie, Ellie. C'est quoi ça? Des sandwichs. Ça sent bon. Bah. Prends-les. T'es sûr? Vas-y. Je vous raccompagne. Ok. C'est parti. En partant, je veux que tu relèves Tommy et Joël. Ces deux-là sont partis depuis bien trop longtemps. Tu les retrouves où? Ils devraient être au poste de Gainan West un peu plus tard dans la journée. Et fais attention. On nous signale beaucoup trop d'infectés dernièrement. Ok. J'avais prévu de vérifier la route de la rivière. Il faudra que quelqu'un d'autre s'en occupe. Ellie, tu connais la route de la rivière? Non, pas vraiment. Très bien. Dina la connaît bien. Elles pourront y aller ensemble. C'est réglé alors. Ellie? Je peux te parler une seconde? Je vais m'en prendre une. Bon, allez. Un petit triangle. Toi, je sais pas ce qui se passe entre toi et Joël. Oh, Maria. Il tient énormément à toi. Je suis sûre qu'il voulait pas te faire de mal. Tout va bien. Sûre? Ouais. Ok. Ok. Excuse-moi. Sois prudente. D'accord. Hé, hey, Dina! C'est l'heure! Deux secondes, j'arrive! Bataille! Tu peux dire à ta copine d'aller aux écuries, s'il te plaît? Oh, putain. Dina? Je peux te parler? Hé, hey, les gars! Je fais une pause. Oh non! Ça va durer longtemps? Salut, salut. Je voulais juste m'excuser d'être partie hier soir. Oh non, c'est pas grave, je comprends très bien. Et je suis vraiment désolée. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai commencé. J'aurais jamais dû t'embrasser devant tous ces gens et je... T'étais bourrée, c'est pas grave. Ouais, mais quand même, je veux pas que tu penses... Non, je me suis pas fait d'idée, t'inquiète. Tu sais ce que j'aime chez toi? Tu me laisses toujours finir mes phrases. Ok. On devrait se mettre en route. Ouais. Non! Ça va pas, non? Je joue pas avec vous, moi! Je me suis fait attaquer, non? J'hallucine. Je déteste vraiment ce gamin. On va aller les fumer, je crois. Ouais, bonne idée. Ouais! Vous l'avez cherché! Fumage de gamin. Oh merde! Alors, comment on fait? Pour lancer rapidement R2.
Allez, tiens, hop, voyons voir. Et bingo. Une fois. Et... pour verrouiller, on a le L2. Et ça cible automatique, c'est pas mal. Allez, deux fois. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Bon, L, X pour grimper normal. On descend, allez, tiens, bam. Ouais, et... ça va te planquer. Ah ouais, va te planquer. Pour faire la petite boule, c'est le petit triangle. Allez, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Allez, tiens, bam, paf. Et on a le rond pour s'accomplir, pour se camoufler aussi au cas où. Allez, j'ai morflé. Allez. On s'en fout, il nous reste combien? Sur 10, on a déjà fait 6. Allez hop. Tiens, hop. Plus 3, 2, même pas, 2. Ah putain, ça va, face. Il est où? Allez, non, là tout droit, droit face, allez. Tiens, ramasse, paf. Allez, hop, plus qu'un. On va déjà se planquer pour faire la petite boule. Aïe! Il est où? Allez, plus qu'une fois, et je suis bon. Allez, hop, tiens. Oh non! Et si? Mangez ça, les crevettes! Hé! Hey, hey. Alors, ça fait quoi? Non! Sur elle! Mais vous n'allez pas vous en tirer! Allez. Stop! Lâchez-la, bande de monstres! Ellie! Arrête! Allez, c'est tout ça, mais on a du travail. Du vent. Oh non! Je l'ai bien mérité, non? Ouais. On y va. Alors, cette partie, on va suivre. Jesse veut qu'on prenne la route de la rivière. Il va relever Joël et Tommy. Oh, c'est cool qu'il nous a envoyés ensemble. Tu vas aimer la balade. Salut les filles. Bonjour. Hello. On va aller chercher le canasson, hein. Salut. Je m'en occupe. Merci. On a presque fini. Ça, c'est un bon. Hop, on prend mon dada. Merci. Allez, c'est bien. Salut, Paillette. Paillette, mon pauvre, t'as pas eu de bol. Ah, regardez qui a décidé de nous rejoindre. Ouais, ouais, ouais. Ouh, bien, une petite arme. Et un pour toi. Ouvrez les portes! Bon, écoutez-moi. On y est. Vous connaissez le topo. Vous suivez l'itinéraire, vous prenez des notes et vous tuez les infectés que vous croisez. Si vous tombez sur plus gros que vous, vous revenez. Pas de conneries, ok? D'accord. Allez-y. Ah dada, c'est parti. Yeah. Quelle jolie vue sur les montagnes, dis donc. On lui grappe, il se comme fait plaisir. Bon. Ah. Un nouveau groupe. Thank you.
Salut. Salut. De quoi tu rêvais? J'ai dit quelque chose. Non, mais t'as... tu faisais grincer tes dents. Prends ton matos. Faut que tu vois ça. Quoi? Je vais te montrer. Viens. C'est par là. T'es sûr que tu veux pas faire ça quand il fera jour, avec quelques degrés de plus? Non, ça peut pas attendre. Tu veux pas me dire ce que c'est, au moins? Tu dois voir ça pour toi. Alors, L et X pour franchir l'obstacle. Enfin, c'est comme dans le premier opus, si je me trompe pas. Qu'est-ce que tu fabriques à traîner comme ça, tout seul? J'arrive pas à dormir. Toi non plus? Puis on va vers le sud. Plus c'est joli. Bah, la même chose, la même commande pour sauter que pour passer les petites crevasses comme ça. J'ai déjà pensé, figure-toi. On pourrait aller voir la ville de Manu. Le petit rond pour s'accroupir, ouais. Ok. Quelque chose me dit que c'est pas aussi joli. Le petit rond pour se relever, ok. Ouais, c'est rien de bien compliqué. Raison. T'as fait tout ce chemin dans le noir? Oui. Allez, viens. Allez, c'est parti, on avance. Si on continue comme ça, on sera crevés avant même d'entamer la journée. Arrête, c'est pas si loin. Dis, Mel, ça va? Elle avait pas l'air en forme ces derniers jours. Ouais, elle va bien. Je te trouve bizarre, c'est limite flippant. Je suis pas bizarre. Hé, hey, fais gaffe en sautant. Alors, saute en... saute X. Bon, ça, ça va. Tu vas rompre avec Mel, c'est ça? Quoi? Non. On fait rêve. T'inquiète. En fin de compte, on fait tout avec le pad avant, L pour courir, avec et le ouais, X pour sauter. Pas tout aussi gracieux que toi. Bon, ça va, rien de bien compliqué. Ça va pas le faire. Ça va aller. C'est trop haut. Vas-y. Oh mon Dieu. Effectivement, regarde. C'est haut, hein. On va faire gaffe. Hein. Ne regarde pas en bas. Ouais, plus facile à dire qu'à faire. Faudra repasser par là au retour. Dis-toi que t'as des chances. C'est l'occasion de vaincre tes peurs. Tu sais où tu peux te les carrer, mes peurs. J'ai bien une petite Abby. Idée. Arrête de me braguer. Hop, en tout cas, c'est magnifique. Pour l'instant, c'est sympathique. J'aime beaucoup. En cas tout ce qui est graphisme. Texture, c'est joli, vraiment joli. On y est. On est arrivé. Putain. Ça, c'est carrément une ville. Regarde-moi cette vue, c'est magnifique, hein. T'en as parlé à quelqu'un? Je voulais que tu sois la première. J'ai vu des gardes armés patrouiller entre la ville et l'avant-poste, par là-bas. Il y a d'autres postes de garde sur le chemin. Ils ont de l'électricité, des flingues. Ça fait beaucoup de monde. On va se débrouiller. Ok. En admettant qu'ils soient là, on fait comment pour l'atteindre? On n'a qu'à attraper un des gardes pour lui soutirer des informations. Ensuite, il faudra trouver un moyen de lui tendre un piège. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que ton garde sera ravi de nous filer des renseignements. Il n'aura pas le choix. Non mais tu t'entends. T'as une meilleure idée? Qu'est-ce qui t'arrive, Owen?
Mais elle est enceinte. Oh. Ok. Mais c'est pas seulement ça. Je suis censée te féliciter. Quand les autres verront ça, ils vont vouloir faire demi-tour. On pourrait les convaincre. J'étais sûre que je pouvais pas compter sur toi. Abby, je veux la même chose que toi. Mais là, c'est du suicide. Hey. Arrête. On se voit à ton retour. Qu'est-ce qu'elle recherche, hein? Pour l'instant, c'est pas bien clair. Et puis merde. Bon, allez, c'est parti. Je crois qu'il faut aller à droite devant, en fait, hein. En bas, non, je sais pas, en haut. Mieux. Allez sur la droite. Ah. En bas, ça m'étonne parce que sinon c'est en ravin. Ah, je pense qu'il faut que je passe par-dessus là. Ah bah c'est mauvais. Bah c'est raté, je suis mauvais. Allez hop. Est-ce qu'on peut passer ailleurs? Non, hein. Je crois pas, hein. Faut qu'on passe par là en haut. Ah, si. Allez, faut qu'on court. Ok, faut courir, mais faut prendre plus de vitesse. Bon, bah, même joueur, on recommence encore, hein. Allez, hop, c'est parti. On va prendre de la vitesse. Allez, vas-y, saute. Presque. C'était pas mal, mais c'était pas encore ça. Bon, c'est quoi la troisième fois? Allez, c'est la quatrième, c'est la bonne. Allez, vas-y, hop. L1 et X. Hop. Yes! Bon, après, par où on descend? Par là, c'est par la gauche. Ouais. Le poste de guet, c'est pas si loin. Allez, par où on va? À droite, là. Tout droit. Non, à droite, je crois. Ah, c'est moins haut. Ouais, parce que le reste, c'est un gros précipice. Hein. Allez, hop. Par terre. Faut maintenir rond pour aller au sol. Et après, pour se relever, on fait rond. Ok. Ça glisse, dis donc. Il a mis le mail en cloque. Ah bah... Fais quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Non, il est pas vivant, alors faut pas déconner. Il est gelé. Non, on s'y méfie. Qu'est-ce qu'on en a partout, vendu, Dieu? Il y en a partout. Ils ont été fracassés ou ils sont gelés? Non, non, ça. Ça fait beaucoup. Ah, il y a une petite troupe là, dis donc. Par où, par contre? On dirait qu'il y a un passage, mais pas sûr. Non, par là en haut. C'est par là qu'on est venu. Donc, ouais, si je vais dans le petit trou là, ouais, c'est ici, hein, ouais, c'est ça. Hop. Vas-y, avance, vas-y. Oh bordel! Oh putain! Ah, je l'ai pas vu. Allez, alors, faut appuyer. Non, faut garder appuyé en fait. Dégage. Faut les garder appuyés sur une action. Ça dépend ce que c'est. Faut garder appuyé sur le triangle pour faire l'action en fait. Ok. Dégage.
voulais en fait garder appuyé. Je voulais appuyer vivement. Enfin, pour esquiver. Et corps à corps carré. Ok. Pas mal. Pas mal. Allez hop, pour être sûr. Ah, il est dead. Oula, mais ça descend, il y en a partout. Allez hop, on vise. Allez, voyons. Allez, allez. Encore un petit coup. Voilà, ça c'est fait. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, hein, parce que il me reste 2 balles. Donc on va pas aller bien loin. À moins qu'il a quelque chose dessus. Non. Il a rien, évidemment. Oh putain, il y en a un autre. Allez hop, tiens. Ah merde, j'ai plus de balles, j'ai plus de balles. Oh non, c'est la merde. Tire-toi vite, merde. Alors, un carré pour frapper. Merde. Allez, esquive aussi. Ah, je suis coincé. Le bordel, non, casse-toi, vite. J'arrive pas. Putain, j'arrive pas à me coincer. Hop, c'est dans la... Allez. Allez, bordel. Ouh, c'était limite. J'ai quasiment plus de vie. On voit où il y a les flingues, ça clignote rouge, c'est que j'ai putain j'étais coincé. Ah oh, merde, mon épaule. Ah, bah ouais, mais bon, désolé, hein. On m'a bloqué. Là, c'était la merde, j'étais coincé. Alors, équipement médical, le pad d'en haut, et après, on garde appuyé pour sélectionner en haut, ok. Et après, maintenir pour se soigner avec R2. Ça va déjà mieux, mais on a toujours pas de balles, hein. Oh, tiens, hop. Et on appuie R3 pour la torche. C'est ce qu'on avait dans l'autre, en fait. Donc, y a rien de bien nouveau, hein. Les automatismes reviennent assez vite pour certaines commandes. J'aime pas ces petits coinçons, il y a toujours quelque chose. Oh putain, des balles. Ok, c'est bon. R2 pour recharger après. Comment je fais pour sortir d'ici? Je pense là en bas, mais avant de descendre. Ouais. Avant de descendre, on va faire un petit tour du proprio. Hein. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Pas grand chose, on dirait. Hein. Bon bah on descend hein. Allez hop, et on appuie rond pour. Très mauvaise idée. Ouais, bah oui, c'est toujours une mauvaise idée. Parce que d'habitude dans les coinçons comme ça, il y a toujours une saloperie. Ah bah toi. Ah. Alors L2, on vise et on appuie. Voilà. Ça c'est fait, il est cané. Il me reste 2 balles. Putain, je vais pas aller bien loin. Hein. Et le piron pousse relevé après. Par où qu'on passe? Non. Par où on va descendre? Là, à mon avis, on peut pas passer, non. On va descendre le long, là, on va suivre. Ah bah voilà. Oh, ça glisse. Ok. Il peut pas être loin. Alors. Un petit barbecue. Bon, ça fait un peu frais, hein. Non, on peut pas descendre par là. Alors, ça peut être que là-dessus, hein. Voyons voir par là vers le barbecue. Écoute, ah, on dirait qu'il y a un passage là. Ah ouais. Hop, allez, X pour se faufiler. Oh, merde, des coureurs. Et on maintient R1 pour écouter. C'est un peu la même chose que dans le premier. Ah, par contre, c'est différent. Là, c'est une lueur. Et si
en position. Alors, on reste en position accroupie pour les approcher discrètement. Et triangle pour les fumer. Par contre, dans le premier, ça, on avait la silhouette. Là, on a une lueur, en fait, blanche. Élimination. Ok, ça c'est fait. Ouais, crac, allez hop. Ça c'est fait. On va faire un petit tour pour voir ce qu'on a de beau encore. Non, là, on n'a pas grand chose, hein. Ça c'est mort. Là, qu'est-ce qu'on a? La chambre. Ah, on dirait qu'il n'y a rien. Hein. Ah si, attends. Des balles. Oh, faut pas passer à côté de ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non. On peut rien ouvrir. Là non plus. Bah, on descend, hein, pas trop le choix, je crois. Ah, droit en face devant nous. En tout cas deux. Allez, hop, tout doux. Alors, un et deux. Et je crois que c'est tout, quoi. Ouais. Les petits coureurs, allez, laisse-le venir. On va essayer de le prendre par derrière gentiment. Allez. Et crac, ça c'est fait en moins. Et en plus il avait une balle, c'est parfait. Il est où l'autre? Ouh, il est juste là en face. Merde, il m'a vu. Allez, tiens. Allez. Ok. Une balle un petit là. Bon, je crois qu'on les a tous su, mais bon, on va rester sur nos gardes. Cuisine, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh. Ok, c'est plein pour le médicament, on dirait. Ouais. Même pas, hein. Je sais pas, c'est marqué. C'est plein, on peut pas prendre. Bon, bah, tant pis, hein. Encore une petite balle. Ah, en fait, on a contourné, ok. Putain, je sais pas où je suis. Bah, deux ans bizarre, première vue. Je pense qu'on peut passer par-dessus. Ah, bah, ouais, parfait, nickel. Merde. Oh putain. Il y en a combien là? En face. On va y aller gentil, molto. Allez hop. Ça c'est fait. Ensuite. Oh putain, il y en a un, deux, en tout cas deux sur. Ah, trois là, à mon avis. Si je tire, ils vont voir où je suis, ils vont me rappliquer devant. Et j'ai pas de silencieux, j'ai rien pour l'instant. 1, 2, 3. Ouais, on en a bien 3. Ah, on devrait réussir à se les faire gentiment. Par contre, on va commencer par lequel. Celui-là, je pense, hein, c'est le plus près. Hein. Ouais, allez. Tout tranquille. Bah voilà, hop, ça c'est fait, Jade en moins. Ouh, l'autre il est juste derrière la voiture. On va laisser venir gentiment vers nous. Allez, viens là, mon petit. Petit, viens vers nous. Alors, foiré, fait demi-tour. Oh, bordel.
L'autre île est où là? S'ils ont l'air d'être stupides, mais ils seraient capables de me voir puis de me courir après. Hein. Bon, les deux sont là-bas. Alors si lui il vient passer entre les deux voitures, je peux me la faire. Allez, viens voir là. Ah, c'est bien, viens plusieurs mois. Va, passe pas là-bas, viens. Allez, encore un petit peu. Parfait. Et hop là. Crac. Et l'autre, il est planqué où maintenant? Juste là. Hop. Allez, hop, on va le prendre. On va se le faire. Avant qu'il se retourne. Et voilà. Alors ensuite. Il n'y en a pas d'autres. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais je sens que ça va arriver. Hein. Où est la route? Allez hop. On garde appuyé rond pour s'accroupir. C'est passé. Alors. Par où vais-je? Traverser ça, hein. Oh, des traces de pattes. Des traces de chevaux. Où est la patrouille? Tiens. Il y a moins de blizzard d'un coup ici, hein. Oh, les effets d'eau sont magnifiques. Ah, on retrouve notre petite Ellie. Allez, viens. Par ici. Je te suis. En avant, dada. Est-ce qu'il te manque? Jessie? Non. Vous étiez ensemble depuis longtemps. Écoute, Jessie est géniale. J'adore ses parents. Ils seront toujours ma famille. Mais on était en pilote automatique. Comment ça se fait qu'on n'en ait jamais parlé avant? Je sais pas. J'avais pas... Toi, tu m'as jamais vraiment parlé de Kat. Ouais. Parce que... y a pas grand-chose à dire. Aïe. J'avais l'impression que tu l'aimais pas vraiment. Pour tout dire, je m'en fiche totalement. Ok. Mais elle est douée comme artiste. En fait, je commence à aimer ton tatouage. Comme c'est gentil. Mais je pense qu'elle n'était pas faite pour toi. Intéressant. Et toi? Ok. Allez hop, on sautera. On a un joli petit complexe là. Ça sent les embrouilles, ça encore. Ah non. Bah non. Tu veux voir un truc hallucinant? Ah, tu vas ouais. Te montrer du doigt, c'est ça? Non, hallucinant, c'est pas le mot. D'accord. Allez, la débile. Wow. Qu'est-ce que tu dis de cette vue, hein? Eh ben, je dis que c'est plutôt sympa. Waouh! Franchement, c'est propre. Ouais, elle est cool, cette route. Où il est, le registre? Viens.
Franchement, il n'y a rien à dire. Cette vue, elle est magnifique. Bon. On va aller regarder là-dedans, puis signer son petit registre. Enfin, tu chercher le registre. Avec qui avant? Jesse? Eugène. Oh, ouais. Eugène. Il était trop drôle. Oh, ouais. Une maigrichonne qui arrive à pousser un gros truc pareil. Pourquoi pas? C'est un jeu vidéo après tout. En plus, il m'a appris à recâbler des circuits et d'autres trucs dans le genre. J'espère avoir autant la patate à 73 ans. J'espère qu'on arrivera à 73 ans. Alors, on sait X pour grimper. Et le joystick en haut, et c'est parti. Rien de bien compliqué, on va dire. Signe le registre. Ah bon, bah là. C'était quoi cet endroit? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dessus? Machine à café, ouais, ça aurait été intéressant. Ah là, qu'est-ce qu'on a là? Ouh, des coups de balle, nickel. Et son futur registre, il est où? Là. Aucun signe d'infecté. Hop. Ou de personne d'autre d'ailleurs. Et voilà. Ouais, ouais. Bon, bah voilà. Hein. Hop. Viens voir. Next. La dernière étape, c'est cette ville. Regarde. Oh, des jumelles. Ah, une petite tour. Je vois un centre commercial. Celui avec le supermarché? Non, la ville est plus loin. Voilà la ville. Ouais. Avec l'espèce de grande tour. Ouais, c'est là qu'est le prochain poste de guet. Ah, ça fait quand un petit bout, hein? Viens, on retourne aux chevaux. Bon bah. Question. Tu portais pas déjà les mêmes fringues hier? Elles sont propres. Je juge pas. C'est une patrouille. On est là pour buter des infectés, pas pour un défilé. C'est pas faux. Merci. Bon, retour au canasson. Non, c'est lequel le mien déjà? Ah bah le premier. Allez. Allez mon dada, c'est parti, on se casse. Eugène. Quoi, d'un AVC? Non, de vieillesse, après avoir bien vécu. Toi? Jamais de la vie. T'es trop imprudente. Oh, tu peux parler. Bah, tu mourras sans doute d'hypothermie à force de marcher avec des baskets en toile dans la neige. Hé, hey, je porte des bottes, là. Tu sais comment tu vas mourir? Bon, laisse-moi deviner. Tu vas me tuer? Sympathique. Ah, tu es là. Ta blague? Non. Tout défoncé en hein, plus le peut-être. Village. Ta gueule. Désolé. Et merde l'arbre. Eh, hey, tu crois qu'on devrait fouiller ces maisons? Ça a l'air mort, mais on peut si tu veux. Je parie qu'il y a des trucs à trouver. Bon, alors, pour descendre, triangle, ok. On va regarder s'il y a quelque chose, mais... Bon déjà, est-ce que je peux construire un truc? Qu'est-ce que tu sais sur cet endroit? Non. C'est juste un autre quartier qui a été évacué. Les infectés arrivent quasiment jamais jusqu'ici. D'habitude, on les chope sur le périmètre extérieur. Ouais, mais il suffit d'une fois et on se fait avoir. Tu fais quoi ce soir?
Je pensais faire une soirée film avec Joël. Oh. Tiens, alors qu'est-ce qu'on a là en bas? Ouais. On peut pas grimper. Vous allez regarder quoi comme film? Là, y a rien. Quoi, Joël? Curtis et Viper 2. Ça fait un moment que bon, je veux le regarder. C'est trop loin, laisse tomber. Ah, ok. On se regardait souvent des films d'action des années 80. Il est complètement fan. Bon. Ah. C'est plutôt pas mal. Je crois qu'on va aller. On va continuer avec les chevaux, hein. On va laisser tomber les villas. C'est à mon avis, on ne peut pas rentrer dedans. Ah, elle est où? Ah tiens, elle est là, hop là, on la suit. Vu qu'elle est en tête, on va la laisser en tête, hein. Bordel. Il fait encore plus froid. Ouais, c'est vrai. Allez hop, on saute par-dessus l'arbre. Oh, doucement. Oh, grand Dieu. Putain de merde. Ah, on est quand c'est soft, mais là, pas mal. Oh, ça pue. C'est des infectés qui ont fait ça. Tu crois qu'il en faut combien pour buter un élan? Une chille. Pas qu'un seul. Ils sont où, putain? Allons les trouver. Alors, fusil, non, flingue, il y a plus de balles. Alors, appuyez R1 pour changer d'arme rapidement. Ok. Ok. Alors, ok, on en a déjà en là. Il y en a à l'intérieur. Comment ils ont fait pour entrer? Bah. Et surtout, comment on fait pour entrer? Là, c'est mort. Bah, droit en face, on dirait qu'il y a un gros trou là. Je vois plein de traces différentes. Bingo, bah voilà. Visé pour mieux régner. Là, c'est bon, on peut rentrer tranquille. Ah, tranquille, ouais, il y en a un juste là. Coureur. Ouais, mais ça va, il est de dos, donc on peut venir tranquillement fumer. Hop là, ça se fait. Proprement, tué proprement. Il n'a rien senti arriver. Par derrière. Qu'est-ce qu'on a à prendre là-dedans? Rien. Divisé pour mieux régner, non? On va essayer de faire le tour pour rentrer par l'arrière du supermarché. Bonne idée. Alors. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bah, c'est bloqué. On va passer par la fenêtre, hein, je pense. Hop. Voilà, on peut passer de l'autre côté, mais bon. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Pas grand-chose, hein. Voilà, hop, déverrouillé. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh. J'ai gagné des stimulants. Mais bon, j'en ai que 7. Et là, il en faut combien? 30 pour augmenter. Là, il en faut 60. Là, 40. 60. Ouais. Ouais, c'est pas demain la veille que je vais pouvoir augmenter tout ceci. Après, là, j'ai le journal. Qu'est-ce que... Ah, tiens. L2. Je peux zoomer. Carré lire. L rond. Ok. Après, en artefact, après, on a R1 basculer de gauche à droite. Et le kit médical, j'en ai pas et j'ai rien pour y faire. Tant pis. Bon, bah, next. Bah, ouais, bah, par là. Hein. Mais j'y sens pas ça. Une porte comme ça. Allez, faut quoi maintenir? Triangle. Oh putain. Allez, alors R2, on lance, on ramasse. Et attaque éclair, un carré. Ça va, pas trop compliqué, ça allait bien. C'est bon. Ouais.
Alors, les éclairs, ça inflige des dégâts considérables aux ennemis étourdis. C'est déjà pas mal. Au moins, je ne vais pas me faire fumer tout de suite. Hein. Comment il a fait pour rentrer le coureur ? Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ? Ouais, c'est une bonne question, ça. Ah, des pièces de récupération c'est pour l'évolution d'armes. Ça doit être qu'est-ce celle que j'ai faite avec Joël il y a environ un an. Il y en avait peut-être une douzaine. Et toi ? J'en ai buté à peu près 20 une fois. Il y avait un groupe de passage. Putain. Peut-être qu'on va battre ton record aujourd'hui. Par où qu'on passe après ? Ah. Qu'est-ce qu'on a là ? Tiens. Des petites pièces de récup. C'est où qu'il faut aller ? C'est où qu'il faut aller ? Ah. Tiens donc, les traces de sang. Voilà. Dina, par ici. D'autres coureurs. Hop, tranquille, tranquille, tranquille. Fais pas de bruit. On va voir ce que ça donne. Le problème, c'est que voilà, c'est bon. Je vais me faire le premier gentiment. Et après, faire l'autre. Il y avait pas l'élimination. Tranquille. Ça, c'est fait. En plus, c'est Dina qui s'occupe de l'autre. Nickel, pas besoin de s'en occuper. On en a un là-bas dedans. On va aller s'en occuper. S'il y en a un, c'est qu'il doit peut-être avoir quelque chose. Ou dans la suite logique, c'est par là qu'il faut passer. Ou il y en a même deux, on dirait. Un. Deux. Ah, puis le troisième. Ok. On en a trois. Bouteille. Oh, il est où ? Oh, ah, il est juste là derrière. Viens voir, Manu. Voilà, hop. Ça, c'est fait. Après, bon, Dina s'est occupée de l'autre. Tiens, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? Rien. Dans celui-là, rien. C'est la mort. Allez, si je lui balance la bouteille en pleine tronche, ça fait quoi ? Ça l'excite. Et après, on le dégomme. Allez, fais attention ! Allez, hop, voilà. Bon, par contre, ça m'a bouffé des balles, évidemment. Bon, ça va, il y en a encore. Il n'y en a pas d'autres ? Encore heureusement qu'il n'y en a non. pas d'autres. Hein. Je crois que c'est alors, bon. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Faut encore qu'on s'occupe de ceux dans le supermarché. Une petite briquette. On va faire le tour. Mm-hmm. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer. Qu'est-ce qu'on a ? Bouteille. Et là, rien. Oh, des sacs à dos, mais il y a quoi ? Rien dedans. Ou enfin, on peut rien prendre. Mm-hmm. Et j'ai toujours pas assez pour faire quelque chose. Ça, c'est pas cool. Ellie, fais-moi monter, je vais jeter un coup d'œil. J'arrive. Elle est où ? J'essaie de la rechercher comme ça, mais... Elle est passée où ? Non. Non. Non plus. Putain, je l'ai paumé ou quoi ? C'est quoi ce bordel ? Ah, tiens, elle est dehors. Ah, la petite courte échelle, là. Ok, vas-y. Il y a un trou dans le toit, là-bas. Toujours mieux d'avoir un petit trou, hein. Bon, allez, hop. C'est parti, on grimpe. Merci. Là, tu vois ? Bon, on n'a plus qu'à trouver comment y aller. Bah, de toute façon, là, on est venu par là. Bah, on va déjà descendre, hein, je pense.
là, est-ce qu'il y a quelque chose qui se déverrouille? Ça n'a pas l'air. Ah, il y a un petit passage là-dessous. Ouais. Mais bon, je le sens pas. Dina, là-dessous. Allez. Il n'y a rien à gauche, droite non plus. Allez, vas-y, on clique tout droit. Et on se rend là. Oh, putain. Et ben voilà, on s'est fait niquer, bouffer. Bon bah ben voilà, je me suis fait avoir comme en bleu. Bon allez, c'est parti. On continue. Cette fois, on va appuyer plusieurs fois sur le bouton. Est-ce que ça va? Ouais. Donc pour la première vue, quand vous déplacez des objets, faut qu'on garde appuyé. Par contre, pour les attaques, c'est on appuie une chier de fois sur le bouton. Ok. Super. Alors, qu'est-ce que j'ai? Tac, pas grand-chose, comme d'hab. Bon, là, on commence aussi, donc c'est normal qu'on ait pas grand-chose. Hein. On va déjà faire un petit tour du proprio, mais là on n'a rien. Par contre, comment on fait pour grimper? Bon, là-dedans, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Tiens, des petites pièces de récup, ça c'est bon. Là, on peut pas passer. Bouteille non plus. Là, tu vois un moyen d'atteindre le toit? Pas sûr. Alors, passer par là-bas. Il y a une... Ah, une palette, peut-être qu'on peut escalader. Non. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, l'arrière du camion. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, des petites pièces, un petit truc là. Une petite lettre. Madame, je suis sincèrement désolé pour ce que j'ai fait. Je voulais pas vous faire de mal. Je voulais rien d'autre que les médicaments. Votre mari m'a attaqué. J'avais pas le choix. Ma petite sœur sent plus ses jambes. Ok. Bon. Une petite lettre d'excuse en fin de compte. Cool. Après, qu'est-ce qu'on a là-bas au fond? Encore prendre le flingue, on sait jamais s'il y en a qui nous saute sur le coin de la gueule. On dirait qu'il n'y a pas grand chose là, non. Et pour accéder, bah je pensais qu'il y a un escalier, mais il n'y a rien. C'est par où qu'on passe? Non, on peut même pas monter là-dessus. Là, on y a été, il n'y a rien. Là, on pourrait peut-être essayer de grimper par les conduites, mais j'ai des doutes. Non, il n'y a pas de, y a pas d'action à faire ici. Et puis là en bas, qu'est-ce qu'on a? Ah non, je suis coincé là, je ne peux pas. Pas passer ici. Non, hein, pas par là. Non, c'est pas par ici que ça se passe. Ah, peut-être vers le... Non. Il doit bien avoir un passage par là, sinon ce n'est pas logique. Il n'y a vraiment rien. Hein. C'est quoi ce bordel? Alors... Non. Bah, je pensais, je me suis dit peut-être qu'en niquant la palette, on peut passer derrière. Et puis il y avait un trou, mais non. C'était pas ça. Par contre, peut-être vers la tête du camion, il y a peut-être quelque chose à faire. Vu qu'il y a des caisses de différentes hauteurs. Ah bah tiens. Ah! Sur la cabine. Voilà. Allez hop, on court. Et le petit X pour sauter là-bas en haut. Si on a le trou qui est droit en face. Ah, ça, c'est bon. Par là. Ah, c'était tout con en fait et je me suis pris la tête pour autre chose. Est-ce qu'on peut grimper là en haut? Non.
Donc ça peut être que là-dedans. J'y suis. Ok. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, on va voir. Hein. Des balles, c'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Après, on peut toujours pas faire de kit après tout ce que j'ai pris. Bon, attends, je commence à être dans le rouge. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore là-dedans aussi? Oh, tiens. Eh, j'ai trouvé de l'alcool. Et moi du tissu. Nickel. Tiens, arrange-toi un peu. Alors, appuyez là-bas. Ok, maintenant X pour confectionner. Il faut garder appuyé. Bingo. Après, le petit retour. Kit médical, c'est le bouton du haut, il est sélectionné. Et R2. Bah voilà, ça va tout de suite mieux. Hein. Il y a des spores. Il faut les masques. Mais okay. Non, t'as pas besoin d'être immunisé, mais bon. Oublie pas. Je veux pas te tirer une balle dans la tête. Ah, c'est mignon. Alors. Tous ces spores, ça R3 veut dire qu'ils sont là depuis allumer. Un non, mais ce qui veut dire sport, fais gaffe, veut les dire... infectés seront plus dangereux. Voilà, infectés ouais. Déjà. À mon avis, on dehors des claqueurs. Je sais pas. Je crois qu'on est au-dessus. Qu'est-ce qu'on a là? Faut qu'on aille au rez-de-chaussée. Bon, là, c'est des morceaux. Voilà, j'ai la moitié de l'alcool et la moitié de tissu, donc je pourrais. Encore la moitié, puis je peux faire un nouveau kit médical. Des petites pièces de récup, ça c'est pas mal. Mais j'ai dans tous les cas que 15, donc je vais pas aller bien loin. Et puis ouais, les pièces de récup, j'ai rien qu'il faut pour faire autre chose. Bon, là on peut pas ouvrir, là que dalle. Ah tiens, il est là, petit passage, voyons voir qu'est-ce qu'on a là derrière. Et bon, on n'a rien. C'est comme un peu glauque. Hein. C'est quoi ça? Employé du mois. Green Palace Market. Ok. Donc on est bien dans le centre commercial. Y a quoi là? Que dalle. Chiotte. Cuisine. Il va bien avoir quelque chose dans cette cuisine. Alors, un autre bout de tissu. Bingo, parfait. Il faudra quand un bout d'alcool pour bien faire. Non, il n'y a rien. Bon. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a de beau? Des petites capsules, ok. Puis bon, le petit passage. Allez, faut garder appuyé. Oh putain, c'est pas la merde ça. Pas bon, c'est pas bon. Oh bah, heureusement qu'il est là, sinon j'étais mort. Hein. On en a flingué un, mais. Voilà, alors. Faut éliminer furtivement les claqueurs. Avec le cran d'arrêt, ok. On reste accroupi et on arrive gentiment avec le triangle pour les désinguer. On va commencer par celui-ci. Ouais, je pense que c'est pas le seul, ce serait, sinon ce serait trop rigolo. Hein. Alors, non, là-bas. On peut jeter un petit coup d'œil par là au fond. C'est la première vue, il n'y a rien ici. Non, là il n'y a pas le claqueur. Et il n'y a rien à prendre non plus.
Ah, il y en a un juste là. C'est le seul ici, hein. Après il n'y en a plus. Allez, vas-y. Passe, viens voir de mon côté comme ça. Je te chope. Allez, viens voir maman. Ah, mais il veut pas, hein. Allez. Voilà, bingo. Tiens, voilà. Ces saloperies aveugles me donnent la chair de poule. Ça, c'est bien, fait. On va voir si le reste du bâtiment est dégagé. On les a fumés. On se casse de cet endroit. Ça, je suis d'accord. Tiens, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Ouh, une balle pour le fusil. 5 balles fusil, 12 flingues. Ok. C'est quoi ça? Ah, ça, Diana. Ok, j'ai peur. Là, on peut rien. Là, ok, il faut soulever ce petit bout. Allez, hop, on lève. Dina, tu peux m'aider? J'arrive. Allez, on vient appuyer sur notre petit triangle qu'on a l'habitude de faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de beau par ici? J'aime les cadeaux. Bon bah voilà, parfait. Bouteille, alcool, tissu, il y a tout là. Et donc je peux confectionner un kit médical, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, par contre, j'ai 25 ressources. On va pas aller loin, hein. Ça en manque encore 5 pour le un premier truc. Qu'est-ce que c'est? Oh, merci. Cocktail Molotov. C'est bon ça. Alors, on maintient L2 pour viser et on utilise R2 pour lancer un arc. Je maîtrise. C'est pas fini. Appuyez sur pour étudier. Ouais, bon, ok. Là, on a encore des petites choses à récupérer. Bon, bah, on va balancer, hein. Ou est-ce qu'on attend le dernier moment? Non, on va balancer après. Hein. On a combien? 1, 2, 3, on dirait. Ah ouais, ouais. Alors, combien qu'on a là-dedans? On commence par les coureurs. On va essayer de commencer par ceux qui sont le plus près, qui ne nous chargent pas. Lui, le claqueur, je l'aime pas. Par contre, le coureur qui bouge pas, on va pouvoir se le faire gentiment. Ça, c'est claqué. Ensuite, on a combien? 1, 2 encore. 3 même. Ah, il n'y a pas où celui-là. On a encore un claqueur là-bas, j'aime pas. Parce que là, on va essayer de le prendre à contre. Juste derrière, contre-pied, si on arrive à le prendre. On peut essayer. Ouais, hop. Il y a le coureur, c'est ce que j'en ai pris là en face en fait. J'ai pas envie qu'il me voie, il peut me courir. Non, c'est bon. Alors on en a combien encore? 1, 2. Et j'ai vu le troisième de l'autre côté. Bon, il vient pas vers moi gentiment.
Donc on va... Ah, quoi que... viens voir. Si tu passes juste à côté de moi, là, je peux t'avoir. Ok, je sais pas ce qu'il s'amuse à faire, mais non. Bon, il fout le camp. Bon, laisse tomber. Celui-là, on va pas réussir à l'avoir comme ça. Alors, bon, comment on va faire pour l'avoir l'autre ? On va commencer au fond. Qu'est-ce que tu dis ? Il y avait quoi ? Du papier là derrière ? Ouais, du tissu, un morceau de tissu. Ah mais là, on est encore en coureur là. Et un claqueur. Alors, viens vers moi. Là, hop, on va se le faire tranquille, celui-là. Voilà, ça c'est fait. Ensuite... Ah, comment on va les récupérer celui-là là ? Ah tiens, essaie peut-être de les attirer en balançant quelque chose. Ah j'aime pas parce que t'as l'autre claqueur là-bas qui peut me voir. Ah c'est tendu. Par où, comment ? Ah il y en a encore un là ? Ou c'est le même ? Ah non, c'est le même. Ok. Et si, on les crame. J'avais pas confectionné là, ça c'est fait. J'en ai deux, parfait. Allez hop. Tiens, le premier. Ah mal. Ah oh, bah si ça crame. Ah non, putain, il y en a quand même un troisième, je l'avais pas vu. Ah, il y a pas. Mais ça crame, c'est pas assez ça. Allez hop, tenez. Ah bah voilà, ça c'est fait. C'est pas proprement, mais... Il en reste Non, je les ai tous fracassés. Tu sais quoi ? On est impressionnantes. Ouais, ouais, je sais, je Allez. Suis... On va au prochain poste de guet. Ah, tiens, on peut lever et ça. On fait une pause. On l'a bien mérité. Non, ça a l'air d'être un peu trop dur. Ça bouge pas. Ah bah, c'est facile. Il suffit que tu me lances à travers ce trou dans le toit. Okay. C'est facile, c'est un gros trou. Mais bon, faut réussir à grimper. On n'a rien par là en plus qui pourrait faire office pour aller là-bas en haut. Où est-ce qu'il y a un passage à quelque part ? Ah tiens donc. Allez hop. Il y a un câble. Oui, il y a un câble, Ellie. Vas-y, tire. Voilà, c'est bon. Oh, c'était facile. Ça devrait tenir. Et on fait... bah voilà, comme avec les grenades et tout le bordel, on vise avec L2 et on tire avec R2. Allez, vas-y. Facile. C'est grave. Facile. Ok, c'est bon. Bon, mais juste pour bien faire, je pense qu'il va y avoir une horde qui va arriver. Non ? J'espère pas, parce que sinon je vais me faire défoncer. Et la corde, reste là. Ah. Allez hop, X, L en avant. Fais gaffe, et on monte. Il y a du vent. Allez hop, c'est parti. Par ici. Direction. La tempête approche là.
et on se casse. On est loin du poste de guet. C'est juste après la prochaine ville. Je te suis. On y voit okay. Rien là-dedans. Va pas trop vite, j'ai pas envie de te paumer. Il s'en va, il y a encore un truc qui va me tomber sur le coin de la gueule. C'est de pire en pire. On fait demi-tour. Oh putain, c'est allez. Trop tard maintenant. Vas-y, avance. On y est presque. Allez. Je sais, ma belle. Putain, allez, continue. Putain, j'en vois plus. Ah bah voilà. Dina, c'est encore loin. On va passer le temps, je pense. Dina. Ah voilà, boulet, je l'ai paumé. C'était l'autre, je voulais prendre celui-là. Dina, t'es où? On va aller vers les habitations, on sait jamais, peut-être que c'est par là. Je l'ai paumé. Tout droit, dans, par le derrière. Bah. Dina. Oh, super. Ah, j'ai vu les traces de pattes. De... Où est-ce qu'on va? Ah, bah, heureusement que je l'ai retrouvé. Hein. Passer devant. Sans entrer. Bon, on va s'assurer qu'il n'y a personne. Bon, ben voilà, nous avons fini notre première partie sur The Last of Us partie 2. J'espère que cette première partie vous a plu. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et puis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!